Tchou! Nihao, c'est GG, allez! Certainement un des plus beaux stands qu'on aura pu voir, parce que dire c'est pas facile. C'est la marque Rimax. Alors la marque Rimax est très connue en Thaïlande, très connue en Chine également, plein de magasins, et je pense que c'est eux qui ont le plus joli stand. Vous voyez, ça se présente comme ça, il faut monter. Après bon voilà, on va quand même rentrer dans le. Hello. Hello. What is this? Actually, you have the best stand of exhibition. Thank you very much. But photo is not allowed actually. Oh right, we are sorry. Press. Okay. So we can. Thank you. Comment je te l'ai bâché le mec, t'as vu? En fait, c'est interdit de faire des vidéos parce qu'ils veulent pas, mais moi j'ai dit, moi j'ai ma carte de presse. Et là, du coup, ils acceptent. Non, ils ont le plus joli stand. Après, les accessoires, bon, c'est très connu, il y en a beaucoup en Chine, énormément. Mais j'ai pas été cool sur ce coup-là, mais en même temps, on va dire, vas-y, ça va. On s'en fout des accessoires. Oui, parce que souvent, alors le problème, c'est ça, on a le droit. Mais ça, souvent, vous voyez, c'est des trucs qui sont sous licence et c'est limite, c'est borderline, tu vois. Ils les vendent, mais ils n'ont pas toujours les vraies licences. Souvent, le Rimax, c'est vraiment une grosse marque, hein, un truc un peu australien, qui a été revendu et tout. Donc, c'est. Ils se cachent tous et tout, c'est assez. On va faire un peu le tour. Et voilà, c'est simplement. Les produits, c'est de l'accessoire. En fait, ça a été la première marque à faire des accessoires chinois, mais avec une qualité un peu garantie, un peu comme Xiaomi, mais surtout à faire un beau packaging. Elle est où mon microphone? Elle est où? Elle est où mon kick? Elle aurait dû partir là-bas. Bon, là, donc ils ont plein d'accessoires, plein de trucs qu'on a vu, revu, mais avec un marketing derrière qui est poussé, donc ça marche bien. Des beaux packages, des belles couleurs, vous voyez, des bons machins et tout. On peut pas les acheter, on peut les acheter en Chine, mais les produits sont très sympas. Oh, le poste comme ça et tout. C'est tellement old school. C'est un truc en carton. Allez, on va descendre un peu par là. Le stand est super sympa. C'est leur truc. Leur truc, c'est le marketing. Alors, c'est un peu plus cher que les merdes chinoises, forcément. Mais il y a un mec de la sécurité en bas qui vous attend et tout. Mais voilà, il y a un packaging qui est abouti. Il y a un marketing, il y a une histoire, il y a des produits, il y a et tout. Et c'est très, très, très sympa. On va faire un peu le tour en bas. Elle est très sympa. Il y a vraiment une ambiance et tout. Je veux dire, hey, j'aurais ça pour faire mes vidéos, je serais le roi du pétrole. Hein. Ici, petit bonbon, il y a des lampes. Enfin, ceux qui me prennent la marque Rimax, c'est vraiment une marque qui se développe bien parce que, voilà, encore une fois, il y a un peu de qualité, il y a du marketing et c'est très sympa. Le petit mouton là-bas, c'est le mec qui retient rien. Et là, c'est quoi, c'est une caméra? Ah oui, une petite. Très sympa. Et oui, c'est vraiment interdit de filmer. Ah, mais ça, c'est marqué à toute l'entrée du salon, il y a vraiment marqué que c'était interdit de filmer. Et pourtant, bâché, très sympa. Vraiment, j'adore le stand, c'est un des stands les plus originaux. Après, bon, les produits, on est d'accord, c'est pas fou. C'est un bouquin qui a vu les sagas. C'est pas fou. Mais voilà, c'est vraiment le stand le plus original, avec un décor, avec le machin et tout. Et celui-là, là-bas aussi, on verra, c'est aussi joli, vous aurez droit à une vidéo.